courage. Bien-aimé, tu es né pour réussir. Tu es né pour triompher. Tu es né pour gagner. Je dis oui et amen au nom de Jésus-Christ. La Bible déclare dans 1 Samuel 30, 7 au 9e verset. 7 jusqu'au 10e verset. Prenez 7 jusqu'au 10e verset. Bien-aimé, que dit la Bible? David, il reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel. Alors, verset 7, 1 Samuel 30, 7 jusqu'au 10e verset, la Bible déclare, il dit au sacrificateur Abiathar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiathar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe, l'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Verset 9. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Verset 10. David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Parole du Seigneur, je l'aime et je l'accepte. Bien-aimé, voilà la suite du comportement de David. Regarde l'homme selon le cœur de Dieu, comment il se comporte. Bien-aimé, après qu'il ait repris courage en s'appuyant sur l'Éternel, maintenant, il va consulter l'Éternel. Consulter l'Éternel pour nous, c'est ce que nous faisons. Merci Saint-Esprit, la lecture de la parole de Dieu. C'est ce que nous faisons, la vie des prières. C'est ce que nous faisons, change là où tu dois changer. C'est ce que nous faisons, comment tu dois consulter l'Éternel. Bien-aimé, pendant des moments difficiles, nous consultons beaucoup de Dieu. Mais ça ne doit pas être ton cas. De consulter par-ci, par-là. De consulter des hommes. Non. Toi, tu es déjà devant l'Éternel. Je voudrais que tu puisses consulter l'Éternel. L'Éternel, on le consulte dans la prière. Dans la prière. Dans le moment des jeûnes. Dans le moment des prières. Dans la lecture de la parole de Dieu. Dans la proclamation de la foi. Bien-aimé. Plus on avance, plus les promesses de Dieu sont en train de se multiplier en toi. Donc nous voyons ce que David fait. Il va consulter l'Éternel. Il s'est appuyé, parce que c'est un chrétien, c'est quelqu'un qui connaît le Seigneur. Il s'est appuyé sur l'Éternel. Mais maintenant, consulte l'Éternel. Mon frère, prends le temps de prier. La prière personnelle, le culte personnel. La lecture personnelle de la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu a dit? Dans la prière, c'est comme ça que tu vas découvrir la volonté de Dieu pour toi. Bien-aimé, la Bible, il va consulter l'Éternel. Il faut consulter l'Éternel. Au lieu de passer du temps dans les disputes, dans les points de vue, bien-aimé, les disputes et les points de vue, ce n'est pas la consulter l'Éternel. Que ce soit l'Éternel qui te demande de faire le pas. Comme David devant Goliath, il a dit, tu viens contre moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Au nom de Jésus, il faut consulter l'Éternel. Consulte l'Éternel, voilà, merci beaucoup. Il faut consulter l'Éternel. Et la Bible déclare, et David consulta l'Éternel en disant,
poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis, car tu l'atteindras et tu délivreras. Gloire au Seigneur. Bien-aimé, ce qui s'est passé hier, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Consultez l'Éternel. Merci Saint-Esprit. Consultez l'Éternel, c'est-à-dire, continue à prier. Et, bien-aimé, ce n'est pas un langage de sourd, mais lorsqu'on consulte l'Éternel, reste calme, l'Éternel va te répondre. L'Éternel va te répondre, l'Éternel va te parler, l'Éternel va te donner des instructions. Bien-aimé, gloire au Seigneur, quand je prie chaque jour, l'Éternel me parle. L'Éternel me parle. L'Éternel me parle. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel est en train de parler à une femme. L'Éternel est en train de parler à un homme. Voilà, bien-aimé. Il consulta l'Éternel, poursuivrai-je ces troupes? Seigneur, est-ce que je dois continuer à faire ceci, à faire cela? Demande au Seigneur, quelle est ta volonté? Bien-aimé, la Bible déclare, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Seigneur, quelle est ta volonté? Quelle est ta volonté pour mes enfants, pour mon mariage? Quelle est ta volonté? Ne suis pas les hommes. Toi, reste dans la volonté de Dieu. Marche dans la volonté de Dieu. Voilà, bien-aimé, l'exemple de David. Devant la destruction de ceux qui ont détruit Tiklag, devant ceux qui avaient brûlé Tiklag, ils ont tout apporté. Il ne s'est pas pressé de se faire du tort, de s'empoisonner, de se tuer. Et surtout que ces deux femmes sont parties. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il laisse Dieu les conduire. Merci Saint-Esprit. Conduis-nous Seigneur, au nom de Jésus. Il laisse Dieu les conduire. Voilà pourquoi il dit à l'Éternel, poursuivrai-je ces troupes? L'atteindrai-je? Gloire au Seigneur. Le Seigneur lui a répondu. Le Seigneur lui a répondu, lui a dit, poursuis. J'ai dit oui, il faut poursuivre. Bien-aimé, ce soir, tu dois poursuivre ton objectif. Ne t'arrête pas, ne croise pas les bras. Continue à faire du bien. Poursuis à faire du bien. Poursuis dans la prière. Tu dois poursuivre, poursuivre, poursuivre. Tu dois continuer la marche. Poursuis à faire du bien. Poursuis à travailler. Poursuis, poursuis, poursuis. Et car tu atteindras et tu délivreras. C'est toi qui vas atteindre et c'est toi qui vas délivrer. Voilà, bien-aimé, tu as la mission. Quelle est ta mission dans ton territoire? Est-ce que tu comprends ta mission? Ta mission n'est pas semblable aux autres. Voilà pourquoi ne copie pas les autres. N'agis pas avec les autres. Ma mission est ma mission. Si ma mission est de servir, je dois continuer à servir. Si ma mission c'est de relever, je dois continuer à relever. Mon mari me dit toujours, mon mari l'archevêque Coutinho Fernando me dit toujours, Amy, aide même sans retour. Aide, aide, il faut aider même sans retour. Alléluia. Bien-aimé, quelle est ta mission? Quelle est ta mission? C'est toi qui dois poursuivre et c'est toi qui vas délivrer. Je bénis ta mission au nom de Jésus. Ne baisse pas les bras parce que tout le monde est parti. Ne baisse pas les bras parce qu'on ne te donne pas les résultats. Quelle est ta mission? Ta mission, c'est de servir notre nation. Continue à servir la nation. Ta mission, c'est de prier pour la nation. Continue à prier pour la nation. Même si le sommet ne te connaît pas. Même si toi, c'est ta mission. Le Seigneur cherche des intercesseurs. Bien-aimés, pour la délivrance, pour le salut, c'est ta mission. Ne te lâche pas. Les gens ne sont pas d'accord avec toi. Quelle est ta mission? Merci Saint-Esprit. Bien-aimés,
il faut. L'Éternel lui répondit, poursuis. Je suis dans ces combats, poursuis. L'Éternel lui répondit, car tu atteindras. Je suis dans ces combats, tu atteindras. Je suis dans ces combats, tu délivreras. Reçois la grâce de Dieu. Merci Seigneur. Bien-aimé, ce soir nous allons prier. Pendant que tu seras en train de me suivre dans cette vidéo, quelle est ta mission? Tu as oublié ta mission à cause de ton ami qui te raconte des bêtises, à cause de ton ami qui est tout le temps agité. Quelle est ta mission? C'est d'apaiser les autres. C'est d'apporter la paix aux autres. Quelle est ta mission? D'apporter l'amour aux autres. Ne sois pas seulement un agitateur. Tout le temps l'agitation. L'agitation, l'agitation. Ne fais pas comme tout le monde. Chacun de nous a sa mission. Je bénis la mission de chacun de nous. Au nom de Jésus, dans cette année 2021, malgré la turbulence, malgré les agitations, je bénis ta mission au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, et la Bible déclare, et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui est avec lui. Ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. Bien-aimé, verset 10, David continua la poursuite parce que c'était ça sa mission. Tu dois continuer la poursuite, mon frère. Tu dois continuer la poursuite, ma soeur. Pour notre nation, nous devons intercéder. Nous devons continuer. Pour ta famille, tu dois continuer la poursuite. Ne te bloque pas en cours de route pour ta famille, pour ton mari. Bien-aimé, tu as des choses que Dieu t'a dites. Et tu ne le fais pas par rapport aux gens qui vous entourent. Tu ne le fais pas par rapport aux gens qui disent n'importe quoi. Aux gens qui vous découragent. Bien-aimé, nous venons de reprendre courage. N'accepte plus au nom de Jésus les gens qui viennent avec les découragements. Poursuis ta mission au nom de Jésus-Christ. Ta mission, si c'est d'aimer, continue à aimer. Soutenir, continue à soutenir. La Bible déclare verset 10, David continua la poursuite avec 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent, trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Bien-aimé, dans ta mission, dans la poursuite de cette mission, tu vas rencontrer des gens fatigués. Mais regarde David comment il se comporte devant ces gens-là. Nous verrons à la fin de toute cette histoire, David, la part était pour tout le monde. Même les gens qui étaient fatigués, ils ont quand même mis les pas, ils ont quand même mis la volonté. Marchons dans l'amour, marchons dans l'amour, marchons dans l'amour. Bien-aimé, que Dieu bénisse cette parole dans ton cœur. Maintenant, 5 minutes de prière, tu vas prier avec moi. Tu vas prier parce que tu dois reprendre courage. Le point numéro 1, il reprit courage. Prie avec moi. Qu'est-ce qui se présente devant toi pour te décourager? Les hommes sont là pour décourager, mais Dieu est là. Toi, tu es le bien-aimé de l'Éternel, la bien-aimée de l'Éternel. Reprends courage, prie avec moi. Je reprends courage. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Je reprends courage. Je reprends courage, au nom de Jésus-Christ. Quand tu dis que je reprends courage, mets-toi dans ce que tu dis. Je reprends courage au nom de Jésus. Deuxième point pour lequel vous priez, nous prions, David consulta l'Éternel. Bien-aimé, tu dois chercher l'Éternel. Bien-aimé, que Dieu te rende capable de parler avec lui et d'écouter sa réponse. Tu pries pour ça. Père éternel, apprends-moi à continuer à te chercher. Apprends-moi à continuer à te consulter. Au nom de Jésus, je dois continuer à chercher Dieu. Au nom de Jésus, je dois continuer à chercher l'Éternel. Au nom de Jésus, tu dois continuer. Dieu est en train de guérir quelqu'un dans son cœur. Tu étais troublé dans ton cœur. Tu étais sans paix. Mais ainsi parle l'Éternel. Cherche-moi. La Bible déclare,
Celui qui me cherche me trouve. Le Seigneur est en train de me parler de quelqu'un qui est très troublé. Tu es très troublé. Tu es vraiment dispersé. Non, ressaisis-toi. Cherche l'Éternel. Continue à chercher l'Éternel. Peut-être ça fait longtemps que tu cherches l'Éternel, mais le Seigneur te demande, continue à me chercher. Tu es dans la bonne voie. 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 Merci Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Tu es dans la bonne voie. Tu es dans la bonne voie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Bien-aimé, en cherchant l'Éternel, Seigneur, quelle est ma mission? Tu vas prier. Tu vas prier. Ma mission, si c'est celle de soutenir les gens, bien-aimé, sois affermé dans ta mission. N'abandonne pas, ne lâche pas. Prie avec moi en langue, pour ceux qui peuvent prier en langue. Quelle est ma mission? Nous prions pour ta mission, au nom de Yeshua Mashiach. Quelle est ma mission? C'est d'intercéder. Seigneur, aide-moi à demeurer dans l'intercession. Quelle est ma mission? C'est d'apporter de l'aide. La portée de l'aide. Bien-aimé, vous savez, dans la vie, ce n'est pas tout le monde qui occupe le premier plan. Il y a aussi des gens qui doivent aussi occuper le deuxième plan. C'est comme moi, quand Dieu m'a appelé, Dieu m'a mis au deuxième plan pour aider mon mari, son ministère, c'est aider, c'est soutenir. C'est apporter de l'aide. Korabashi kebelegon barakai. Prie pour ta mission. Que tu sois utile pour ta mission. Bien-aimé, la mission varie. La mission varie des temps. Pendant des temps, les missions varient pendant des saisons. Tu peux être dans une mission où tu es en train d'aider. Tu peux être dans une mission, tu es aussi, tu occupes aussi le numéro 1. Tu peux être dans une mission où peut-être tu es en train d'attendre. Yo kabashi kebele gombarakai. Yo ndoboloshi kebele gombarakai. Je veux que tu puisses prier. Le Seigneur est en train de parler à un homme. Prie pour ta mission. Prie pour ta mission. Tu as une mission accomplie pour notre nation. Le Seigneur est en train de parler à une femme. Tu as une mission accomplie pour notre nation. C'est au travers de toi que des choses vont marcher. Prie au nom de Jésus. Bien-aimé, tu sens le fardeau de la mission. Tu sens le poids de la mission. Tu sens le poids de la mission. Tu veux abandonner, mais Dieu dit qu'il n'abandonne pas. Bien-aimé, sois comme Naomi. Naomi a reçu la mission d'aider. Et Ruth, soit comme Ruth. Ruth a reçu la mission d'aider Naomi. Naomi qui n'avait plus de mari, qui n'avait plus des enfants. Naomi qui n'avait plus, peut-être pour elle, elle disait, je n'ai plus d'avenir. Mais Ruth, elle est entrée dans la vie de Naomi. Elle a dit, ton Dieu, voilà. Quelqu'un qui élève ton Dieu verra que tu es le véritable Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Et le Dieu des cieux, merci Seigneur, a manifesté, a montré à Ruth que Naomi a le véritable Dieu. Les épreuves parfois nous font oublier la bénédiction de Dieu qui est sur nous. Mais gloire au Seigneur, pendant que tu es en train de m'écouter, élève, cherche le Dieu véritable. Tu n'es pas seul dans cette mission, le Dieu des cieux. Yeshua Mashiach, Jésus-Christ est le bon berger dans cette mission. Je dis oui et amen. Prie, bien-aimé. Korakabala Chikebele, n'abandonne pas, ne lâche pas. Et Ruth a vu le Dieu de Naomi. C'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu d'Abraham. C'est le Dieu d'Isaac. C'est le Dieu de Jacob. Ton Dieu sera mon Dieu.
Ton peuple sera ton, mon peuple. C'est le peuple d'élite de Dieu. Un peuple élu de Dieu. Le peuple choisi de Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Et Ruth est entré dans ce peuple-là. Et Ruth est dans la généalogie de Jésus, l'ancêtre de Jésus. Merci Seigneur par son fils. Merci Seigneur qu'il aille avec Boaz. Bien-aimé, sois fortifié au nom de Jésus dans l'aide. Le Seigneur est en train de me parler qu'une femme, tu as abandonné quelqu'un, bah c'est toi qui l'aidais. C'est une erreur. Tu as abandonné quelqu'un parce que c'est toi qui l'aidais. Korababababababababa. Si tu as la foi de revenir, si tu as le courage de revenir, reviens. Tu as la mission d'aide. Tu as la mission de servir. Tu as la mission d'accompagner. Yondo bolo shindereke, korabolo shindereke. Yekabala shikebele gombarakai. Korabala shikebele gombarakai. Merci Seigneur. Voilà, ce soir, la Bible dit, David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Et ils arrivèrent au torrent de Bessor où s'arrêtèrent ceux qui restaient en arrière. David continua la poursuite. La poursuite avec les 400 hommes. 200 hommes s'arrêtèrent trop fatigués pour passer le torrent de Bessor. Sors, bien-aimé, la poursuite des bonnes œuvres, la poursuite de servir Dieu, la poursuite d'être fidèle, la poursuite d'être digne d'un enfant de Dieu. Ne copie pas ce que nous voyons à gauche et à droite. Poursuis Jésus-Christ, l'homme de Galilée. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Comme je le suis pour Jésus. Bien-aimé, merci Saint-Esprit. Poursuis à être comme Jésus. Poursuis, c'est quelque chose que tu dois poursuivre. Oh, merci pour les enseignements dans cette histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Poursuis de prier. Le Seigneur est en train de me parler que tu es fatigué. Parce que ton problème ne prend jamais fin. Dieu te voit. Dieu te connaît. Vous savez, c'était David qui avait des problèmes. Tout ce qui est arrivé à la troupe qui suivait David, c'est parce que David, il avait problème sur problème. Mais chose pour laquelle devons dire à Dieu merci, c'était lui le choix de Dieu. C'était lui le champion. Celui qui fait entrer sa troupe à la destination. Celui le roi d'Israël. Donc, ne t'en fais pas ce qui se passe pour ce qui se passe pour ta vie. N'abandonne pas parce que c'est toi le choix de Dieu. Les gens vont entrer à la terre promise. Je parle à quelqu'un à cause de toi. Reçois cette grâce au nom de Jésus-Christ. Pourquoi tu veux désespérer? Pourquoi tu veux annuler? Le Seigneur me montre le mot annuler. Qu'est-ce que tu veux annuler? Bien-aimé, Dieu veut, Dieu t'a choisi toi de poursuivre cette course, de poursuivre, bien-aimé, ces combats, parce que c'est au travers de toi. Qui aura la délivrance, c'est au travers de toi que vous allez entrer dans la terre promise. Prie, bien-aimé. Yondo bolo shindere que malgré les tempêtes, malgré le vent contraire, yondo roko bolo shikebele, yekabala shindere que kora bolo shindere que. Mais voici, Seigneur. Mais voici, Seigneur. Je n'annule rien. Je n'annule rien au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, je prie pour toi. Je prie pour toi qui allait annuler que cet esprit tombe au nom de Jésus. Continue la marche. Continue à faire ce que Dieu attend de toi. Yondoro koboro shikebele gombarakai. Ye kabala shindereke yondoboro shindereke. Prie avec moi en langue.
ceux qui peuvent prier en langue pendant 2 minutes pour fortifier, bien-aimé, ton territoire. La prière dans la langue fortifie. Fortifie. C'est une miraille, c'est une miraille. Kora kabala shikebele gombaraka. Yondo bolo shikebele pour 2 minutes. Kora bala shikebele gombaraka bala shindereke. Kora bala shindereke yondo bolo shikebele gombaraka. Je n'annule pas au nom de Jésus-Christ. Je continue ma marche. Je consulte l'Éternel. Je poursuis ma marche au nom de Jésus-Christ. Je suis fortifié par l'Éternel. Je suis en mission. Le Seigneur me parle. Il y a une femme qui est en train de me suivre. Tu dis, maman, moi, je ne suis même pas mariée. Mais le Seigneur m'a dit de te dire, tu es en mission pour tes enfants. Tu dois réussir la vie de tes enfants. Ne regarde pas l'échec qu'il y a dans ta famille. Ta famille, les enfants ne réussissent pas. Mais le Seigneur m'a dit, toi, tu es en mission. Merci, Saint-Esprit, pour tes enfants-là. Et je bénis tes enfants. Je te bénis, toi qui es en mission pour la réussite de ces enfants. Au nom de Jésus, c'est que dans ta famille n'a pas pu réussir du point de vue des enfants. Toi, reçois la grâce, la faveur pour réussir la réussite de tes enfants au nom de Jésus. Je ne sais pas dans quel domaine le Seigneur veut accorder la victoire dans tes enfants. Reçois cela. Réussis. Je suis en train de parler une femme seule. Dont le père ne s'occupe pas des enfants. Toi aussi, tu veux abandonner. Tu veux lâcher. Toi, n'abandonne pas. Occupe-toi de tes enfants. Merci, Saint-Esprit. Je bénis ta maison au nom de Jésus. Je bénis ma mission. Je poursuis ma mission. Je réussis dans ma mission au nom de Jésus. Bien-aimé, pendant que tu es en train de prier avec moi, Dieu est en train de guérir ton cœur. Reçois la guérison. Reçois le réconfort. Sois fortifié. Sois fortifié dans ton cœur. Ils sont sortis 600 hommes pour marcher derrière David. 400 ont poursuivi et 200 étaient trop fatigués. Bien-aimé, tu es parmi les 400. Reçois la force. Reçois la force de poursuivre derrière les leaders, derrière David, le bien-aimé de l'Éternel. Reçois la force. Reçois la force de continuer ta marche derrière Jésus. Et kab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 
au nom de Jésus-Christ. Cette parole de sang sur une servante de l'Éternel qui est en train de me suivre, tu atteindras et tu délivreras. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ça revient à une femme qui est en train de me suivre. Tu atteindras au nom de Jésus. Dieu parle à une femme. Tu atteindras, merci Saint-Esprit. Et tu délivreras au nom de Jésus. C'est la grâce que Dieu te fait d'atteindre et de délivrer, mon frère. Je vois aussi un homme qui sort. Tu atteindras et tu délivreras. Au nom de Jésus, reçois cela, reçois cette parole, reçois cette grâce, reçois, bien-aimé, si Dieu est avec toi, si, merci Saint-Esprit, reçois cette parole, Dieu est avec toi, merci Saint-Esprit, tu atteindras et tu délivreras, Dieu est avec toi, Dieu est avec toi. L'ennemi ne fera rien. Toi, tu es en mission. Ainsi parle l'Éternel. Le bien-aimé de l'Éternel. La bien-aimée de l'Éternel. Tu atteindras. Et tu délivreras. J'ai dit oui et amen à cette parole. Bien-aimé, reçois la parole de Dieu. Tu atteindras. Tu atteindras. Et tu délivreras. Je dis oui et amen au nom de Jésus-Christ. Reçois cette parole. Elle est pour toi. Reçois ce pouvoir. Merci Saint-Esprit. Reçois ce pouvoir au nom de Jésus. Tu atteindras et tu délivreras dans ta mission. Tu vas atteindre le but de cette mission et tu vas apporter la délivrance. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ, laisse que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs. Au nom de Yeshua Mashiach, nous disons gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen et amen. Merci, Seigneur. Bien-aimé, tu as la mission de partager cette vidéo. Merci à tous les évangélistes avec lesquels nous avons travaillé. Maintenant, tu prends la vidéo, partage. Il y a des gens dans le monde entier qui sont en mission, qui veulent abandonner. Mais David, l'homme selon le cœur de Dieu, est un exemple. Oui, tu atteindras et tu délivreras. Ainsi a parlé l'Éternel. Et quand l'Éternel a parlé, personne ne s'oppose à cela. Au nom de Jésus, bien-aimé, vous avez notre numéro. Laissez-moi votre témoignage. Qu'est-ce que Dieu a fait après qu'on ait passé ces moments dans la prière? Laisse-moi ton audio parce que je voudrais prendre tous les témoignages qui se passe dans cette émission pour encourager les autres, parce que la Bible déclare, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Laisse-moi ton témoignage, bien-aimé. Qu'est-ce que Dieu a fait? Même dans les émissions passées, qu'est-ce que Dieu a fait? Je sais que le Dieu qui m'a donné mandat, bien-aimé, il les donne la réponse, il donne l'exaucement. Pour ton témoignage, et puis pour ta requête, tu voudras que je prie pour toi et pour faire ton offrande. Tu dois soutenir mon ministère parce que tu es béni dans mon ministère. Et mon Dieu te bénira. Je vous bénis au nom de Jésus.